une excellente conclusion. Et je me permets, hein, merci Nonon, parce que d'enchaîner très rapidement, parce que le temps passe, et évidemment, tout le monde attend le témoignage d'Alexander qui vient d'arriver. Installez-vous, Alexander. Hein, et voilà, qu'on lui installe son oreillette. Alexander nous vient d'Autriche, du village de Marzensens. Vous avez été victime, Alexander, avec votre sœur et votre mère, du crime le plus abominable qu'il soit, que l'on nomme aujourd'hui dans le jargon policier, la tourte autrichienne. C'est-à-dire que votre mère a été séquestrée dès l'âge de 15 ans, c'est bien ça, par son père. Alors, votre grand-père, hein, et évidemment, très rapidement chez vous, les choses se compliquent. Séquestration qui va durer 46 ans, c'est bien ça. Période pendant laquelle votre mère sera violée régulièrement. De ces viols vont naître 36 enfants. Comment est-ce possible ? Donc vous et votre sœur êtes les seuls survivants, c'est bien ça. Les autres ayant été élevés jusqu'à un certain âge, puis dévorés par vous-même. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette horreur ? Pouvez-vous nous raconter le quotidien de cette horreur ? Dans les caves, les viols, les tortures. Et alors, ce cannibalisme qu'on apprend en exclusivité pour notre émission. Nous n'avons pas mangé que de la chair humaine. Mais également des croquettes pour chiens. Il y a une vie sous terre. Nous n'étions pas seuls. J'avais un ami très proche. Un rat. J'aimerais lui envoyer ce message. Ernesto, je t'aime. Tu ne resteras pas pour moi qu'un simple flirt. Ce que je t'ai dit en bas, je le pensais. Je le pensais, Ernesto. Je le pensais. Pensais. Vous êtes en train de nous dire, Alexander, donc Ernesto, hein, le rat Ernesto, donc serait peut-être devant sa télé au moment où nous parlons. Voilà, on me fait signe en régie, voilà, un numéro vert va s'inscrire en bas de l'écran. Donc si Ernesto veut appeler, il en a maintenant la possibilité. Vous pensez qu'Ernesto pourrait appeler ce soir ? C'est un rat, enfin. Ne soyez pas stupide. C'est insultant. Je préfère arrêter l'interview. Maintenant. Connard. Enculé de ta salope de mère. Résidu de foutre de hyène. Dans votre monde, un rat ne parle pas. Il fait des affaires. Tout à l'heure, un rat d'Hollywood m'a proposé de l'argent pour adapter mon histoire. Mon calvaire vous excite. Ordure de vermine. Détritus d'humanité. J'ai grandi au milieu des rats. Tu ne me fais pas peur. Ferme la liste de mon cul. Traducteur de merde. Sale con, traducteur, c'est à toi que je parle. Traducteur de... Oh merde, c'est à moi qui parle. Je crois qu'il y a énormément d'émotions, évidemment, sur le plateau ce soir. Je demanderai à chacun de retrouver un peu son... Hein, voilà, sa bonne humeur. Alors, si j'ai posé une question, Alexander, qui vous a heurté à un moment ou à un autre, sachez en tout cas que j'en suis profondément désolé. Je crois que nous cherchons ici à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette cave. Jusqu'où peut-on avoir mal ? Il y a une fin à l'horreur, une limite à la souffrance. Y a-t-il des espaces de bonheur, quand même, de jouissance victimaire ? Je ne sais pas. Il y avait moins de perversité dans le regard de mon père violant sa fille que dans le tien aujourd'hui. Lui au moins savait ce qu'il faisait.
Je m'adresse aux gens qui regardent cette émission. Changez de chaîne. Ne laissez pas ces vendeurs de merde entrer chez vous. Fermez-leur la porte au nez. Libérez-vous de ces fumiers, de cette propagande de mort. Bon, coupez, coupez, là c'est n'importe quoi. Là. €3 000 l'exclusivité, attends, t'as vu ce qu'il me fait le mec? Il me nique, non, non, mais je peux pas montrer ça à la télé, 21h, il y a quand même des enfants devant la télé. Non, non, mais attends. Non, 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 mais il faudra retirer, mais même en retirant les traductions, si ça fait agressif. On va garder, tu sais, on peut couper à 2 minutes, là, quand il parle de son rat, après on en a pas. Oui, 3 000 € il a été payé, Françoise. Oui, vous rien, mais c'est normal, c'est une exclusivité internationale. Hein. Et puis vous, votre histoire de tourniquet, franchement... Ah ouais, mais faut vous faire soigner, ma vieille, à un moment donné... Non, non, on recommence rien du tout. Jackie, lumière !